Je me déplace un peu, là, je profite de cette pause de me déplacer. Elle est du côté de la buvette. Et là, pensez de constater. Voilà, donc, le nouveau vapeur, c'est un produit qui a été retravaillé par Fifa. En Italie, voilà, c'est super chaussons. En fait, Scarpa, c'est une marque très complète, spécialisée dans la chaussure, dans la outdoor. Donc, ça va de la petite chaussure de voyage à la chaussure de. Donc en passant par le chausson, la chaussure de randonnée, le trekking, donc voilà, c'est vraiment des spécialistes. C'est une entreprise familiale qui est toujours située à Zolo en Italie, qui travaille des cuirs italiens, voilà, c'est des cuirs de très très bonne qualité. Aujourd'hui on a découvert énormément de chaussons Scarpa et voir les chaussons de randonnée Scarpa, juste à côté des clubs des scalades. Donc voilà, rejoins la Jump Line, ça va être la reprise de la production d'ici. D'ici très peu de temps. Et on arrive. Bien, bonjour. Alors nous sommes ici au VOC, Vertical Ocean Camp, une manifestation organisée par The Roof, nos jeunes amis de The Roof, par l'agence Maori, nos jeunes amis de l'agence Maori, des jeunes absolument géniaux qui ont des idées fantastiques. Je les ai rencontrés il y a un an, ils m'ont parlé de ce projet et je leur ai dit on y va. Donc depuis un an, ils travaillent à cet événement, c'est un événement important. C'est la première fois en France, première fois en Europe, hein, Quentin ? Voilà, donc l'idée c'était un peu de faire se rencontrer la montagne et la mer, les grimpeurs et les marins. Ce qui les unit, je pense que c'est un peu les cordes auxquelles certains se balancent, y compris dans la marine. Et vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Donc nous, la ville de La Rochelle, on a adhéré au projet. Ensuite, on en a parlé avec le conseil départemental et Stéphane Villain était absolument enchanté par ce programme-là. Donc la région aussi, je crois, est participante. Et puis pour le programme, je vais passer la parole à Quentin. Très bien, donc bonjour à tous. Donc je travaille pour l'agence d'événementiel Maori et je vais vous présenter le programme. Alors de 14h jusqu'à 17h, les grimpeurs, que ce soit femmes ou hommes, vont monter sur le mur qui s'appelle Deepwater Soloing Challenge. Sur une voie ultime, donc si on regardera, c'est juste une voie verte et il y aura d'autres défis comme la remontée sur corde, donc c'est tout avec les bras. Ensuite, entre 17h et 18h30 environ, il y aura le championnat de jumpline qui va se passer donc sur le village, sur l'esplanade Tabarly. Ou d'ailleurs sur le village on peut rencontrer, il y a plusieurs animations comme l'initiation à l'escalade de bloc, l'initiation à la slackline et aussi la tour d'escalade. On a la tyrolienne à côté de nous et le stand-up paddle sur la mer dans le bassin des chalutiers. Ensuite, c'est le grand show à partir de 18h20, on va dire. C'est la finale. Ça va être tous les grimpeurs, hommes et femmes, vont se rencontrer et vont se défier sur une voie. Et puis, petite précision, les grimpeurs vont arriver sur la tyrolienne. Enfin, ça va être réellement un gros show. Et après, ça sera la soirée à The Roof. Voilà, je pense que la fête, voilà. Et puis demain ça continue ? Demain ça continue, ça sera juste sur le village, donc sur l'esplanade Tabarly, de 10h à 18h. Et là c'est pour tout le monde qui souhaite participer aux animations proposées sur le village. Et je le répète, tout est gratuit. Et autre chose, si vous voulez avoir peut-être plus d'informations plus précises, vous pouvez vous rendre sur le site internet, donc c'est Vertical Ocean Camp, voilà. Et on est bien sûr présent sur Facebook et les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et réfléchi, et son record du monde, il l'a fait justement dans un paysage présentant la forme d'une cuvette. Et au point le plus bas, au point de la cuvette, là, il est en train de s'amuser en fait. Il est que Vertical Ocean Camp, la journée du samedi, l'après-midi du samedi, l'après-midi qui s'annonce va être le point d'orgue
de ces trois jours d'événements ici autour du bassin dédié à l'escalade. Et vous entendez derrière moi la voix de Rémi, le speaker de la jumpline. On est sur un championnat de France de jumpline, donc la même discipline dans sa version freestyle. Vous y trouverez également des blocs d'escalade, vous savez, ces murs dans lesquels on peut évoluer à sa guise sans même avoir besoin de baudrier ni de cordes d'assurage, puisqu'avec des tapis au sol, la chute est quasiment sans danger. Et Nathan qui est en train de s'approcher des enceintes, je vais le laisser tranquille parce que sinon je risque de produire plus de vent dans les enceintes et que le souffle contre lequel il se débat actuellement. Pour 2018, il va s'attaquer au premier tour du monde à la pagaie par les trois caps en kayak. C'est plus de 27 000. La façon dont les grimpeurs se sont qualifiés hier soir et ce matin à la maison d'escalade The Roof, c'est sur une série de 50 blocs, 50 passages avec des dévers, des plafonds et des volumes tels que vous les voyez, en essayant d'être à la fois le plus rapide et d'effectuer l'intégralité de ces blocs dans un temps minimum. C'est également ce qu'est en train de faire Isabelle. J'ai l'impression qu'elle est en train de faire un chrono. Excellent rythme également. Allez, ça va en haut, ça aussi. La Rochelle, est-ce qu'on amène Isabelle Mazri? Non, elle en aura décidé autrement. Mais belle prestation, on retrouve Coralie. Alors vous allez pouvoir observer de grimpeur en grimpeur où est-ce qu'on décroche, où est-ce qu'il décroche, où est-ce qu'elle décroche. Et du coup, où est le nœud du problème, puisqu'il va falloir pour chacune d'entre elles trouver des solutions. Allez mesdames et messieurs, on est nombreux, vous êtes venus en famille. Oh, ça va des pieds et des mains. Pas simple hein. Pas simple ce premier tiers là. De vitesse qui se court sur un mur relativement similaire en termes d'organisation. Ce sont deux murs, deux voies en parallèle, mais parfaitement verticales. Ou alors on trouve l'escalade de difficulté dans des mêmes hauteurs que ce mur-ci, à la différence près que l'on est encordé et qu'on pose des dégaines de façon à se sécuriser. Ou alors on trouve le bloc. C'est la discipline qui a servi à établir le classement de qualification. Et là, avec le Deep Water Soloing, on est sur une discipline complètement nouvelle, initiée plus ou moins dans les
dans les falaises surplombant la mer en Espagne, et notamment emmené par celui que dans l'escalade on appelle le King, Chris Sharma, qui est un adepte de ce type de pratique. Ah, elle va bien, Mendy, là. Allez, on l'encourage, s'il vous plaît. Elle est en train de franchir un seuil. Et alors, il faut bien comprendre qu'un grimpeur, ça n'a qu'une idée en tête, c'est d'arriver en haut. Mais en règle générale, si on arrive en haut d'une voie dans laquelle on ne peut pas effectuer de rappel, eh bien, ça donne un immense plouf. Mandy, avec elle, s'il vous plaît. Elle peut aller chercher le bac final. Elle est bien partie pour... Et elle a encore trouvé le moyen de se boucher le nez. Et puis on reste avec nos yeux à nous rivés sur elle. Et par contre, pour les grimpeurs qualifiés, on ouvre les oreilles. Tous les grimpeurs qualifiés sont convoqués pour la voie ultime. Donc tous les grimpeurs qualifiés pour la voie ultime sont invités à se présenter au mur à 15h15. Ça, c'est super important. Vous faites tourner l'info. Et nous, on reste avec Coraline. Pardon, avec Isoline. Ça y est, je me suis égaré. Je vous ai dit que... C'est Isoline Georges, bien sûr. Coraline, on la retrouve un peu plus loin, celles sont dans les mêmes générations, les deux. Pour l'instant, c'est Isoline Georges qui est en train de nous faire un superbe parcours, là. Allez, Isoline. Allez, ça tient, elle verrouille. Et vous savez apprécier le geste, cher public, c'est bien. On s'approche du but là, allez, on la pousse jusqu'en haut, s'il vous plaît, La Rochelle, c'est le moment. Oh, elle prend le bac final, elle prend le bac final et elle regarde les flots et elle se dit, et ouais, là je vais désescalader un petit peu, on l'applaudit encore, elle est en train de maîtriser ce vertical Ocean Camp pour la première fois, elle est en train de marquer l'histoire, elle a été la toute première sur cette voie à l'atteindre. Première édition en 2015, Isoline Georges. Excellent. Eh bien, on enchaîne avec Isabelle Mazoï. Donc Isoline est qualifiée pour un affrontement final. Il reste 4 grimpeuses. Isabelle Mazoï